Mwen se yon federe, yon federe kap chèche limye, limye pou Haiti, pou ti moun tout verite. Empire Napoléon Bonaparte, sa, se seke li se la ke yon vin mette koli. Tout famine preske petit li, ou sa ke nan pouvoi an dan la. Nan mize et Paris, nan Paris. Bon, étant donné comme pèlerin Papa de Saline, comme pèlerin d'Haïti, voilà que je vous dis à la, nan mize invalide. C'est là que tu es transporté pour moucher Napoléon. Qui était en Haïti, vini pour conquérir nous, mais ça va marcher. Ou dans plusieurs autres pays. Et bien, moi, là, moi-même, pour me former, tout ça qu'a fait. Pour bien, pour Haïti, capable de connaître très bien. Haïti son gros pays qui est lié. Et si nous repensons qu'en nous, valait que nous qui mourir, valait historien ou dans le pays, ça c'est incroyable. Dessaline son bon Dieu pour nous. Mais je dis à la, dans le tombe, côté qui est lié, c'est cher qu'à prendre à sa boule. Qui est dans le pays, ça y a pas arrivé, le monde dans le pays, ça valait. Gardez tout ton gloire ou bien Napoléon. Pas plaisir qu'il était monde qui était plus bien passé tout le monde, non. Parce que l'on regarde très bien, ça va faire 200 l'année depuis que l'Italie, Waterloo, mon cher Wellington, on te chasse. Égal. Quoi que ça, il y a le droit, il y a tout cas des bagailles qui existaient sous la terre. Ça. M'assume même de responsabilité. Étant donné comme mon pire société, comme mon grand et crème pays, qui est pionnier, qui a marché de porte en porte. Quand on vit chez nous, on est capable de faire une vérité. Moi, je dis à vous. Mais voilà, je vous dis encore. Dans la cour Saint-Anne. Nous allons aller voir. Ça, vous fait avec Cabo, Papa de Saline. Il n'existe pas encore. Dans le pays, quand il y a des gens de bien, qui ont des gens qui existent, des gens qui ont des poids, des gens qui comptent, des gens qui respectent, des gens qui respectent la mort. Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec Martin Luther King? Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec Papa Nelson Mandela, que Papa Dessaline était à son grand exemple pour l'autre pays? Est-ce que vous êtes capable de faire ça avec tant d'autres et tant d'autres encore? Eh bien, puis devant Pirel, nous allons dans quelle situation pour vous venir faire en dedans pour que vous Papa Dessaline ait changé pour un garage pour faire du coup là-dedans. Et l'église est au courant très bien. Même paix, même mon imenez en mille rangées automobiles dans le cimetière. Mon pays, mes respects nous, mais dans ça que nous y est. Et bien de toute façon, nous sommes capables de dire nous encore. Ce n'est pas nous paix. Nous, pasteurs, ni mon saillot, qui a fait travail ça, qui a fait vérité à Dieu. Parce que nous sommes capables de dire Haïti dans malais, Haïti pendu sous malais, Haïti pendu avec méchants, bon terroriste nationaliste saillot. Mais mon saillot. Eh bien, nous allons voir ça passer là. Là jodi a moi dans la cour cimetière Saint-Anne pour papa de Saline d'entrer quand il pas exister il disparaît ça avec pierre tombale avec toute baganette sans cachette m'a fait là parce que sur nous la vendre l'estomac pour voir là que lui effacer toute image de Saline qui mon qui fait une série de terroristes haïtiens les me dit terroristes haïtiens mon terroriste tout gens mon cap voler petit pays mon ka vann valè peyi yo, moun ki pa vò pale de peyi yo, et bien nan stad sa nou la. Et bien, c'est fils papa Charles de Matal de Saint-Marc parlé. Et si n'ap gade anvan tout, y a ton bal, je ne pa konsa ou avec nous, kote ou metin. Egal, ke moun sa yo, ki position kapè nou peyi? Encore m'a toujours répété. Gouvernement démissionné. Ou pa kon moun nou peyi kapab défendre l'histoire peyi yo. Parce que vous comptez à rien. Sous papier, vous parlez de Dessaline. Vous parlez de papa Dessaline.
mais pour qui côté col passé là dans périmètre ça c'est telté qui veut dire les mêmes outils reste qui te rester à prendre côté à mettre toi manque une histoire sous papa de ça on pas connait qu'on va le cimetière qu'on va les monde et bien moi dit ay bobo maintenant ça ne chita mais on kacha boum bim et bien bala très crucial pour penser monde ça yo pour le théoriste ça yo bon voler ça bon malachong ça yo bon vendre trip pour ça yo bon malhonnête ça yo parce que pour nous acte comme ça son acte de vagabondage son acte de terrorisme dit sont pas capable respecter pays ou papa nation papa disanité de banou dépendance nous té là bon baron qui côté mené aujourd'hui moi j'ai bobo très bien nous dans la cour cimetière Sainte-Anne dans Port-au-Prince Haïti dans les années 1963 combinaison sacrilège a fait pour effacer mémoire papa de Saline. Yo bâti l'école les sœurs de Sainte-Anne. Point d'interrogation. Son gros combinaison culte. Te gon paquet héros moun ki t'en tire dans cimetière ça. Eh bien, monseigneur Kebo, qui frère qui ton ingénieur, yo décidé pour bâti l'école des sœurs de Sainte-Anne. Et puis, Kabo papa de Saline dans lui-même, il y a une latrine qui sous côté. Et quoi, ou qu'on aime toujours dire, le papa de Saline est mort, il était arraché, il a gagné dans la terre. C'est une grosse combinaison que le théé, pour être capable d'avancer pour effacer la mémoire papa de Saline. Valeur côté, il y a pour faire l'école dans le pays. Ils font l'école créée dans le Durland du Merlin, qui était dans le premier cimetière Port-au-Prince, et puis ils ont les sœurs de Sainte-Anne. Et m'a posé tellement de questions. Est-ce que Boa en tonnerre par un tirant dans là? Ou peut-être, ils ont fait l'école là pour capable effacer toute image, tout souvenir du héros nous. Ils continuent à faire tout le routier à nous balayer l'autre bagaille. Quand j'ai compris mon petit cabas. Et bon, tout le monde qui était là, presbytère, qui était prête, Monseigneur Kebo, il va faire un chemin de Monseigneur à une proposition qui était faite. J'étais curé avant. Il a fait une proposition pendant le Duvalier, dans les années 63. Si il acceptait d'écraser le cimetière pour étrangers, mais il prenait une provocation encore, pour la commune vient prendre. Tout ça qui est en bataille dans le cimetière. Moi-même, j'étais témoin. Là où j'ai ramassé un paquet de cercueils qui est en bas, dans la cour Sainte-Anne. Qui est-ce qui est là-dedans, nous ne connaissons pas. Il y a des cercueils en bronze, il y a des gens qui ont des cercueils en l'or, mais j'étais ouvert à enlever. Et voilà que c'est pour ça que j'aime nous. Il y a un paquet de combinaisons. Que l'église connaît très bien. Yo te gagné une exigence. Yo te gagné un lord pour effacer mémoire papa de Saline. Et gagné l'autre bagage que nous bral wè là. Encore dans cimetière Sainte-Anne. Et j'ai yo Kebo inauguré en 1963 pour être capable faire l'école les sœurs de Sainte-Anne. Et bien, l'homme pas les bagages, ça, Vim était menacé. C'était sous Duvalier. Parce que Duvalier mourit en 1971. Et l'école là, bâtie dans les années 1963. Là, on a fait propre analyse, nous, dans quelle situation que nous y sommes avec Mounsaï. Papa de Saline pas là, encore, il efface tout le monde. Et Mounsaï avec un paille de fer. Pour effacer toute histoire du pays d'Haïti. C'est à nous-mêmes de faire analyse. Et nous sommes capables de demander une récompense totale capitale pour ça que vous faites sous Kabo Papa de Saline. Son tristesse, le Napka de Jodia, après un tremblement de terre, l'église Sainte-Anne crasée. Nous sommes dans l'église Sainte-Anne, nous une construction que nous avons faite. Dans la cour Port-au-Prince Haïti. Cadetayo. Et en pile reportage que me fait,
nous capables de faire ça et pas comme ça que le pays. Est-ce que qu'on y a là quand cavo papa de saline TIA il arrive mettre un conteneur. Est-ce que c'est 50 dans vient prend pour ouvrir en l'autre côté ou c'est bagarre personnel qui vient régler dans placement cavo papa de saline. Parce que m'a écrit coulier sur la fête tragique des signataires de l'acte de l'indépendance. Mon grand chapitre sur chacun des héros a commencé par des salines. Alors, dans mon article que j'ai écrit sur ce sujet, j'ai dit que des salines étaient toujours, jusqu'à présent, dans le cimetière Sainte-Anne, qui était relé à l'époque cimetière intérieur de Port-au-Prince. Dès que l'article a sorti, j'ai un ami historien qui téléphonait pour dire que vous allez voir, oui, et que reste de Saline transféré dans la place de l'indépendance depuis 1926 sous le gouvernement président Borloo. Bon. Monsieur Dimodake, son bagage qui est documenté et que il y a un pile dans les journaux à l'époque, par imagine ça, reste de Saline, place des héros de l'indépendance, dans un mausolée qui est à côté du palais national. On continue à chercher. Et puis, il y a l'autre ami qui mettait son piste, qui fait me joindre une série de journaux de l'époque. Le matin, avec le Nouvelliste, qui, comme journal, existait depuis le Sahara, et qui a gagné des prises de position différentes par rapport à l'occupation américaine. À l'époque, le matin était beaucoup plus proche de l'occupation américaine, tandis que Nouvelliste était beaucoup plus critique vis-à-vis de Eborno et l'occupation américaine. C'est ainsi que deux jours dans ça, pas mal même couverture à l'événement qui s'est passé. Alors, on va être certain, c'est que, et tous les journalistes d'accord là-dessus, c'est qu'en 1924, on a d'abord transféré les restes de Pétion. On a fait une grosse cérémonie associée à les Pétion. Américains ont organisé ça très très bientôt. Ils ont fini avec Respétion. Ils ont fait une manifestation, invité le public, tous les journaux. Ils ont paru devant le monument. Ils ont ouvert Tom Pétion. Tout le monde est venu, ils ont gardé. Ils ont crâne Pétion. Ils ont mâchoire Pétion avec tout dans la dame. Ils ont fait mal. Et puis, ils ont enterré Pétion vraiment en 1924. Le lundi, c'était 5 ou 6 janvier 1924, et tout Port-au-Prince était assisté à ça. Deux ans après, il retournait pour faire la même opération pour Dessalines. Et il a invité encore la presse, venir garder côté pour transférer les Dessalines de Place Sainte-Anne à Mausolée. Alors, femme d'Oké, dans toute opération, ça a fait. Il fait un procès verbal de excavation plus l'autre procès verbal pour le transfert. Donc le matin, il racontait que il fait opération, il passait très bien, il fouillait ton blanc, il jeune cadavre, le jeune reste de Saline et il transfère le lundi d'après, qui peut aller encore le lundi 6. Et janvier 1926. Mais l'homme commençait à garder le journal. Moi, j'ai deux versions. Une version le matin favorable au gouvernement et aux thèses américaines qui dit que le fouillé, le génieur, il peut y aller. Mais par contre, dans le Nouvelliste, qui était beaucoup plus critique, il y a un article très détaillé qui expliquait ce qui passait. Journaliste là qui couvrit pour Nouvelliste, je dis que l'idée là, il a fait excavation. À un moment donné, un soldat américain avec un sergent, alors, je dis non, c'est pas pour moi, c'est un sergent et un gendarme qui vient de côté lui et dit que non, il n'est pas capable là, bah, ça va faire un pilote. Parce que côté, je me suis regardé, mais il n'y a pas fouillé. Et puis,
pendant que je campais. Et puis, c'est ton frère président Borno, qui s'appelle Paul Borno, qui était supervisé l'opération. Borno déplacé, Borno venu côté, il dit ah, monsieur, si vous ne pas être là, à plus loin, même après, avec vous pour nous parler. Et puis, monsieur dit bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'entrepreneur responsable des travaux dit monsieur, monsieur, bah, tu as parlé très bien. Et puis, jusqu'à ce que le cafouilleur frappe un dalle béton. Ça, c'est cheval. Et côté, sans doute, ma cage avec des salines. Là, c'est comme quand des salines étaient là. Et puis, je dis, oh, oh, il y a un problème où la gonde n'est pas capable de plus loin. À ce moment-là, un boss-maçon qui travaille en 1792 sous le président Florville Hippolyte, qui travaille dans les travaux d'excavation que tu as fait, que tu as fait un petit homme pour des salines, qui était là, je dis que non, je ne connais pas la bien. Pendant que tu as fouillé, à un moment donné, il n'y a pas qu'à balle plus loin, parce que des salines ne sont pas de tombeau. C'était une force cette intérieur. Il était là, il était sous lui, donc à un moment donné, ce n'est pas tombé à qui était bien conservé, quand on est le cas de Pétion. Donc, tu es détérioré plus vite. Donc, pour que papier pas prenne chance, je coule dans le béton, sous lui. Donc, reste de saline, en bas, on dans le béton. Et là, vous voyez, aller frapper dans le béton, hein, et il est obligé de camper, il s'en a fait. Et puis, l'inspecteur américain dit que bon, il va falloir dynamiter. Donc, c'est dans ce stade dynamite que vous voyez, il n'y a pas le temps pour dynamiter. C'est à ce moment que Pierre Dominique dit ah, on a trouvé. Mais il n'est pas approché pour la regarder qu'est-ce qu'on a trouvé. Or, voilà que Blandi, grand dynamite, gagne dans le béton qui frappait par-dessus côté cadavre. Et dynamite est bien dynamité. Pas aucune dynamite qui fait. Et puis Blandi. Appeler les membres du comité qui va dresser le procès verbal, on a trouvé. C'est-à-dire que, un petit moment après, même jury est arrivé, il a dressé son procès verbal pour dire que le jeune des salines, il a mis dans un cercueil pour faire translation. Oh,